Salut, c'est Ritza, je passe une dédicace à tous les internautes de public.fr. J'ai trouvé des failles. Bah, l'histoire, c'est. Je demande pardon à des gens parce que j'ai. On peut blesser des gens sans le savoir. Et j'avais envie de demander pardon à des gens que j'ai blessés vraiment sans le savoir ou. Voilà quoi. Il n'y a que ça. Non, pas vraiment, mais bon. C'était le thème du son. Après, je m'inspire pas que de mon vécu. Je m'inspire aussi du vécu de mon entourage. Donc je me suis inspiré un peu de tout ce que j'ai vu. Tout ce que j'ai vu. L'histoire, c'est j'avais l'instrumental donc, qui traînait chez moi. Et je suis parti au studio, je me suis amusé. Ça a duré 3-4 heures. Et à la fin, quand j'avais fini le son, j'ai regardé l'ingénieur son et on s'est dit, il est bizarre ce titre. Donc je l'ai mis plein de fois sur les réseaux sociaux et j'ai vu que tout le monde me le demandait. Et j'ai décidé de le sortir comme ça en cadeau à ceux qui me suivent et ils m'ont bien rendu. Moi, je fais vraiment tout. Après, même la trompette, à la base, il n'y avait pas de trompette. J'ai rajouté la trompette et voilà. Là, c'est dingue. Laisse-moi là, j'atterris. J'avoue, là, c'est pas mal. On me dit que je suis un génie. Un conseil, ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau toute bronzée. Bébé, me dis pas que tu me kiffes, car j'ai même pas commencé. Ça aide quand le clip passe à la télé, ça aide à faire beaucoup de vues. La personne qui a fait le scénario, en fait, qui avait décidé de me mettre sur un côté frimeur comme ça, que j'ai pas vraiment aimé. J'ai eu du mal à tourner ce clip d'ailleurs, parce que je suis pas du tout comme ça dans la vie, quelqu'un qui se la raconte, qui. Et dès que je tournais une scène, je m'excusais auprès de la fille. D'ailleurs, je disais désolé, hein, c'est vraiment le rôle, mais j'étais pas très à l'aise. Les projets, moi, c'est tout au feeling, en fait. Si je vois que les personnes avec qui je travaille sont cool et qui t'invitent pour passer un bon moment et faire vraiment de la musique, sans parler argent, business, tout ça, c'est avec plaisir. Ouais, j'ai croisé Core, du coup, ouais. Il était un peu en speed ce soir-là, mais très très gentil et ça s'est très bien passé. Ça, je sais pas trop, parce que voilà, il y a des petits trucs derrière, des petits problèmes, mais je sais pas si ça. C'est pas avec DJ Case, mais ça va un peu plus loin que ça, mais je sais pas si avec DJ Case c'est prévu d'autres chansons encore. Pas du tout, pas avec lui, autour, ça va plus loin que ça. DJ Case, moi j'ai rien contre lui, tout va bien. Ben là je pouvais plus trop, mais là j'ai repris. Ben là je sors d'un match d'ailleurs. Donc ouais, du foot en salle ou ce qu'on appelle des 5, c'est des 5 contre 5 sur des terrains synthétiques, donc voilà. Le PSG. Ouais, voilà, le PSG, hein. En plus c'est à côté. Donc dès que je peux, je vais voir un match et puis c'est vraiment agréable à voir jouer. Ça y est, je suis en couple, ouais. Après, c'était compliqué parce qu'à l'époque, on ne voulait pas vraiment en parler. On préférait garder ça pour nous. Mais non, aujourd'hui, ça va. Je l'assume totalement. Ni marié ni fiancé, mais on verra, espérons. Ça va très bien pour l'instant. Je pense pas que ça va décevoir les gens. Après, ça voudrait aussi dire que, par exemple, un chanteur qui peut être très, très moche physiquement, ça veut dire qu'il ne vendrait pas de disque, en fait. Je pense pas qu'on suit quelqu'un pour son physique ou pour sa vie personnelle ou quoi que ce soit. Après, je dis pas que je suis beau, hein, mais je sais pas, ça veut dire que voilà. Je pense pas que ça va jouer là-dessus. Si tes chansons plaisent, elles plaisent. Que tu sois en couple, que t'aies une jambe, deux jambes. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Une petite exclue, ouais, c'est que normalement, il y a un nouveau titre qui n'est pas dans l'album qui devrait sortir à mon statut. J'ai tout donné.